Ce qui m'inquiète dans notre société, qui, même si nous sommes dans une période de crise, est quand même une société d'abondance par rapport à d'autres, tout dépend comment on regarde la comptabilité, c'est que tout se passe comme si, ce serait comme si on serait des gens qui seraient assis sur un tas de diamants et qui le traiteraient comme un tas de charbon. Parce que les tout-petits, c'est l'avenir d'une société. Et des tout-petits dont le goût d'apprendre est éveillé, dont la sécurité affective est respectée, dont l'intelligence est respectée, ça fera des gens créatifs et dynamiques dans la société. Et ce que je constate, c'est que nous sommes une société qui a décidé que, d'une part, ça devait être avant tout rentable, enfin tout se passe comme si nous avions collectivement décidé que la santé des tout-petits devait être rentable, que l'école devait être rentable. C'est une hérésie. C'est pas une hérésie du tout. C'est rentable, mais c'est rentable au très long cours, et c'est pas rentable directement. C'est-à-dire que quand on a donné, quand une commune a donné beaucoup d'attention à la toute petite enfance, il y aura des résultats qui seront peut-être pas imputables à ceux qui ont mis ça en place, et voilà le problème, hein, parce que nous vivons en chiffrocratie, en mesurocratie, on se prosterne devant les chiffres, alors